vous emmène dans un endroit un peu fou. Une librairie, mais une librairie pas comme les autres. À Paris, où les fous furieux d'histoire et de littérature adorent se retrouver. Voici le Feu Follet, spécialisé dans les livres rares. C'est Inès de la Motte-Saint-Pierre qui vous en ouvre les portes. Vous allez voir, ça donne envie de faire des folies. Il y a 26 000 livres ici. C'est une librairie spécialisée dans les livres anciens, particulièrement les éditions originales et les livres dédicacés. Chaque livre est unique. On peut commencer à collectionner des livres, quand on aime les textes, à partir de 20-30 euros. Là, vous avez un livre incunable. Donc, c'est un ouvrage qui a été imprimé à partir de la naissance de l'imprimerie, c'est-à-dire avec Gutenberg, et jusqu'à la fin du XVe siècle. Je vais vous présenter un autre ouvrage que j'aime beaucoup. Alors, il s'agit d'un exemplaire du Petit Prince de Saint-Exupéry, très particulier. Cette dédicace dit pour Malou et Jean-Michel Sturm, avec toute l'amitié de Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. C'est le seul exemplaire écrit à l'heure actuelle du Petit Prince en langue française, dédicacé par Saint-Exupéry. J'ai entre les mains une édition originale des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Ce texte m'a ouvert les portes d'un monde merveilleux qui est celui de la poésie. Et c'est lui qui m'a permis de, je dirais presque, d'apprendre à lire. Ce qui m'anime, c'est la passion, c'est la découverte des textes, c'est la lecture avant tout. L'enveloppe peut être très belle, d'accord, mais ce qui compte avant tout, c'est la beauté des textes et les idées qui transpercent. C'est une caverne au trésor pour tous les amoureux d'histoire et de beaux livres, bien sûr. Alors, nous sommes...